Get ready, get ready. C'est temps pour apprendre quelques petits anglais simples. It's time to learn some simple English. Bonsoir. On le fait encore, saluez-nous très fort. On a parlé de conjugaison. On a parlé de différence entre conjugaison en français, conjugaison en anglais. In English, we say conjugation. En anglais, nous dit conjugation. En français, nous dit conjugaison. Les noms conjugués en verbe en français, gain en pile tournure, en pile viré, en pile changement. Pas gain trop de changement en anglais. C'est ça qui rend l'anglais plus easy, plus facile. Nous avons un exemple très rapide, comme nous n'avons pas un peu de temps, nous avons un exemple très rapide, nous avons un verbe to choose. To choose, qui est le verbe choisir en français. En français, on dit, présent simple, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Ça, c'est en français. Pour faire le changement, en anglais, nous avons I choose, you choose. Changement en fait dans la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, il y a le changement. I choose, you choose, troisième personne. He, she, it chooses. He, she, it chooses. We choose, you choose, they choose. Très très easy. Nous avons l'autre verbe bien rapide, nous apprenons, qui se verbe tout, c'est. To say, c'est verbe dire. Say, dire. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he just say? Qu'est-ce qu'il vient de dire? What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he just say? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. I say, you say, he says. She says, it says, we say, you say, they say. Very easy. Ok? Nous avons même exemple ça. Nous avons l'autre barre. Par exemple, là nous avons un verbe défectif qui c'est can, may, might, must, ought, should. Ça, il ne peut pas prendre S à la troisième personne du singulier. Exemple, I can, je peux, you can. He, she, it can. We, you, they can. Ça, pas point S à la troisième personne du singulier parce que le verbe est verbe défectif. I should, you should, he, she, it, we, you, they should. Perfect. Today, that's all I had for you. Enjoy. I love you and see you soon. God bless you. Bye. Numéro téléphone que j'ai nous, c'est 44 44 20 57 37 42 96 54. M'a reprend 44 44 20 57 37 42 96 54. Maintenant appelle nous et puis nous on parle plus. God bless you. I love you guys. Take care of yourself. Bye.